Bien salut à tous et à toutes, c'est Tim de TNT Productions. Aujourd'hui c'est l'anniversaire des Lupins Parlés 2. Vous savez la série que personne ne regarde. Non, attendez. Mais faut fêter ça. Je peux me permettre de faire plein de trucs qui se passent comme ça. Bon, aujourd'hui on va parler des webcams cache. Non, on va faire une unbox cache. Allez, c'est parti, on rentre chez moi. Ah, générique. Bon, je me suis débarrassé de lui et j'ai de nouveau la caméra. Une webcam cache, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme pour la virtuelle, il n'y a pas de conteneur et c'est plus possible d'en placer une maintenant. Ouais, salut à toutes et à tous, c'est Tom de TNT Productions. Ouais, donc j'ai réussi à récupérer ma caméra, vous voyez, à Zelda derrière, pour faire une pose de cache. Je sais, ça faisait longtemps, donc là, on va placer une webcam cache. Mais je t'ai dit que c'est pas possible! On peut plus en placer! Donc, comme je le disais, il vous faudra pas chercher une boîte, mais un objet high-tech bien particulier. Une caméra, d'où le nom webcam. Ces fameuses caméras seront placées dans des lieux généralement publics, comme les parcs, par exemple, et leurs images seront accessibles depuis un site internet qui sera lui aussi public. Et donc, pour valider la cache, il vous suffira de vous placer devant et ensuite d'aller enregistrer les images sur le site. Et pour ce faire, il y a deux méthodes. Il y a la méthode simple où on demande à un ami d'enregistrer les images depuis chez lui. Et puis il y a la méthode pro. La méthode pro, elle, consiste à prendre directement les images alors que vous êtes devant la caméra. Donc vous prenez votre petit PC portable avec une connexion Wi-Fi s'il y en a une. Et vous prenez directement les images alors que vous êtes devant la caméra. Il faudra alors utiliser ces images comme preuve de votre passage pour pouvoir loguer ces caches qui sont d'ailleurs très rares étant donné qu'on ne peut plus les placer. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Comme toujours, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux, vous pouvez commenter la vidéo pour nous apporter des conseils, vous pouvez liker la page Facebook, liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne. C'était Tim de TNT Productions, à la prochaine pour de nouvelles... Unbox Cache. Non mais... Stop.